La musculation, c'est un sujet où tu fais le tour très vite, vraiment très vite. Moi, si tu veux, j'ai fait des vidéos de musculation où je te montrais mes programmes, je te montrais mes mouvements, je te donnais des conseils que j'ai utilisés et que j'ai acquis avec l'expérience qui m'ont fait progresser, tu vois. Mais au bout d'un moment, quand depuis plus d'un an tu fais la même chose et tu dis la même chose, tu vois, tu satures, tu as envie de dire autre chose. Et quand tu vois que les autres font pareil, ben, t'as envie de changer, t'as envie d'innover, d'être différent. Tu vois? C'est pour ça que ma tournure a changé et ma motivation de faire des vidéos et de te présenter des programmes ont changé. Maintenant, j'ai pas envie de te montrer des mouvements, des trucs et tout. Non. J'ai envie de te transmettre ma motivation. J'ai envie de te donner l'envie d'aller à la salle si t'as pas envie d'aller à la salle. J'ai envie que tu sois comme moi, tu vois. Moi, quand je vais à la salle, y a rien qui m'empêche. Tu vois, et si t'as envie d'aller à la salle, j'ai envie de te donner les clés pour réussir et arriver. Et aussi, j'ai envie de te montrer des images de fou. Tu vois, moi j'ai envie de te montrer de la qualité. J'ai pas envie de te montrer des images médiocres. Te montrer de la qualité qu'on a l'habitude de voir. Tu vois, si je suis obligé de le faire, ben je le ferai. Mais ma priorité, c'est de montrer de la qualité. Parce que, comme je t'ai dit, moi, la vidéo et moi, tu vois, c'est une grande histoire. Maintenant, je suis passionné de vidéo, on va dire, je suis vraiment passionné de vidéo et je viens de te fournir le meilleur contenu possible pour progresser. Là, c'est comme là, tu vois, c'est une vidéo simple. C'est une vidéo simple, très facile, très rapide à monter. Mais tu vois, je t'ai foutu des spots, j'ai mis mon micro, j'ai essayé de faire un rendu qualitatif. Faut que, pour moi, quand je vois l'image, quand je vois mes propres vidéos, faut que je me dise, putain, Dams, là, t'as fait un truc de ouf. Là, ta qualité, elle est bonne. Là, j'aime bien. Tu vois, je veux que ce soit plaisant à regarder. J'ai pas envie de faire un truc médiocre, de montrer une qualité médiocre. Il y a plein de vidéos que j'ai faites, j'ai fini, mais j'ai supprimé parce que la qualité n'était pas assez présente. Même quand je suis avec les gens à la salle, des fois qu'il y en a qui me filment, ben j'aime pas, je préfère tout arrêter, tu vois. Quand c'est pas ce que je veux, j'arrête. Moi, je suis vraiment un fou de la qualité. Donc, je vais vraiment essayer de te montrer la qualité de ouf. Et voilà, on va kiffer au maximum. Là, tu vois, alors je fais cette vidéo, il est 1h du matin. Il est 1h du matin. Et je fais cette vidéo tard parce que là, aujourd'hui, c'est un jour de canicule, tu vois. Les jours où il fait 40 degrés, là. Le jour où quand tu mets ton bras dehors, ton bras il commence à transpirer. Et moi, dans ces périodes-là, comme je sors beaucoup en transport, je prends pas la voiture, je vais pas à la salle, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je rêve à la salle, mon énergie elle sera au plus bas, sachant que je mange pas beaucoup quand il fait chaud. Du coup, je me suis reposé un peu la journée et j'attends que le soleil se couche pour envoyer ma séance dans le garage. Et là, pour cette séance-là, on va envoyer les bras. Ah ouais, faut que tu fasses les bras là, il faut, j'ai besoin. Je vois que mes bras ils sont en train de fondre comme des Kinder Bueno. Donc là, on va balancer la petite séance bras. Allez, c'est parti! Oh, attends une seconde. Parce que là, ouais, j'étais parti un peu vite là. Je suis là, j'y allais, c'est parti. Mais non, j'ai oublié de dire un truc. Le programme biceps que je fais, que je te propose, c'est vraiment un programme destiné à ceux qui peuvent pas aller en salle s'entraîner à la maison, tu vois. Parce que dans cet entraînement-là, on va juste utiliser des haltères et une barre Z. On va vraiment optimiser une séance efficace et assez intense avec seulement deux machines. Bah, c'est pas des machines, mais pour moi, voilà, on va dire deux machines, deux accessoires de musculation. Une barre Z et des haltères. Tu vois, pas de arm blaster, pas d'élastique. Là, c'est vraiment deux petits trucs basiques. Et il faut savoir que mes bras, comme c'est un point fort, c'est mon point fort. Quand je construis des programmes bras, je fais tendance à bien les faire souffrir, à bien les solliciter parce que mes bras sont de plus en plus forts de jour en jour, de séance en séance. Et pour que je puisse avoir une bonne sensation au niveau des bras, ben, je suis obligé de construire des programmes plus durs, plus intenses, rajouter de la difficulté, rajouter des choses hard, tu vois. Donc, si tu arrives à suivre ce programme jusqu'à la fin, là, je peux te dire que la condition que tu auras là, elle sera magnifique. Bon, maintenant, je te dis, je peux prendre mon grimoire et te balancer le programme. Allez, c'est parti. Thank you.
Bon, exercice numéro 1, un exercice qu'il a oublié, c'est le curl biceps avant-bras avec halter. Bon, c'est un exercice assez complexe. L'idée est de bien sentir ses avant-bras. Parce que ça, tu vois, les avant-bras, les gens ne le font pas beaucoup à la salle, je vois. Moi, je vois presque personne les faire. Hein. Les seules personnes qui les font, c'est vraiment les anciens, on va dire. Les anciens pratiquants, eux, ils font tout. Eux, à la muscu, ils font vraiment tout. Mais franchement, c'est un exercice à faire. C'est un exercice à faire. Le biceps sera toujours du charme quand ton avant-bras est un peu musclé. Là, tu vois, là, j'ai même réussi à dégoter la petite veine par-dessus. Exercice numéro 2 qui est tout simplement le curl basique avec halter. Cet exercice là, bah c'est la base. Hein. Tu vois, c'est la base. C'est un exercice simple, standard et de base. Je peux rien dire d'autre de cet exercice là. Juste qu'il faut juste rester bien droit. Il faut rester droit et ne pas oublier que quand tu travailles les biceps, c'est que les avant-bras qui bougent quand tu lèves là-bas. Faut pas bouger, faut pas se lever. Non, c'est que l'avant-bras qui se lève. Et j'ai pas précisé pour tous les exercices, ça sera à base de 8 à 10 répétitions, entre 4 et 5 séries, avec 1 minute de repos au début, et à la fin tu prends ta minute 30. Parce que comme je le dis, hein, les biceps, c'est un muscle qui les récupère assez vite. Si je peux rajouter un truc important hors programme, c'est que moi, en musculation, dans les programmes que je fais, dans les exercices que je pratique tous les jours, j'aime bien les exercices basiques. Des exercices que tu vois sur les livres de musculation, l'exercice des manuels de muscu. Moi, tous les exos d'influenceurs, de bodybuilders, certains exos, il y en a que j'en fais parce que je trouve ça cool. Mais mes programmes se basent vraiment sur les exercices de base, les exercices simples, tu vois. Prends un exercice simple, mets la charge, tu verras qu'il sera efficace. Et vraiment beaucoup plus efficace que des exos de bodybuilder. Exercice numéro 3 qui est tout simplement le hammer curl. Bon, ça c'est un exercice que je kiffe en unilatéral. Et ça c'est un exercice de préparation qui va bien t'aider à bien développer tes biceps. C'est comme l'autre, tu restes droit, c'est que l'avant-bras qui bouge. Ton corps il fait pas du yo-yo, c'est que l'avant-bras qui bouge. Et ça ouais, c'est un exercice vraiment de base, basique. Mais de base, mais que je kiffe. Très bonne sensation pour ça. Là, on arrive à la phase de résistance. Tu prends la barre Z et tu commences à faire tes séries de barre Z. Là, tu vois, à partir de là, c'est là où je t'autorise à prendre 1 minute 30 de repos. Tu vois, je t'autorise. Mais si tu peux tenir une minute de repos, garde ta minute de repos. Et utilise ta minute 30 pour plus tard. Mais le curl set barre Z, comme je dis dans mes exos, hein, c'est mon exercice préféré. Avec lequel j'ai plus de sensations, avec lequel ma congestion elle arrive direct quand j'utilise. Et c'est un exo super. J'hésite pas à mettre à faire 5-6 séries, tu vois. Quand j'ai pas beaucoup d'exos, j'ai pas beaucoup de machines en l'occurrence. Là j'ai que ma barre Z et des haltères. Donc j'hésite pas à acheter des séries en plus pour bien sentir mes biceps et travailler efficacement. Juste après ça, on passe sur du hammer curl. Mais là on fait plus en unilatéral, on fait le double, tu vois. Et là, je peux te dire que là, tu vas vraiment sentir tes bras pleurer. Juste après la barre Z, tu vas sentir tes bras pleurer. Alors, cet exo-là, j'aime beaucoup l'utiliser. Franchement, je kiffe l'utiliser. Les doubles, en fait, j'aime bien les utiliser, mais quand je commence à travailler ou alors en fin de séance. Tu vois, parce que la sensation que tu as quand tu fais les deux bras en même temps, c'est super et c'est inexplicable. Juste après ça, on continue avec le double curl biceps basique. Là, l'idée, c'est de bien mettre ses épaules en arrière aussi pour le hammer curl. Tu mets bien tes épaules en arrière et tu lèves les avant-bras. En mettant bien tes épaules en arrière, ça se fait que c'est que ton biceps qui va bosser. Tu vas pas t'aider tes épaules, tu t'aides de rien du tout. Et une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que pour le double hammer curl et le double curl biceps standard, essaye de faire 15 reps. Fais pas 10 reps. Si tu arrives à faire 15 répétitions, prends ta minute 30 de repos, fais 15 répétitions, là tu verras, faut vraiment achever ses biceps. Alors, tu fais entre 10 et 15 reps, tu ne fais pas 8 reps, fais la rep maximale que tu peux. Si tu peux faire plus de 15, fais pas plus de 15, reste à 15, mais fais une longue rep. Pour moi, une longue rep, c'est 15, tu vois. Juste après ça, tu récupères ta barre Z et tu fais du curl biceps en prise pronation. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler en serré et en large. Alors, ce que je fais d'habitude, c'est que je prends la barre Z, je fais 10 séries serrées, je pose la barre
1 minute de repos et 10 larges. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent l'avant-bras en queue en serré, d'autres queue en large. Bah moi, je fais les deux. J'ai une très belle sensation que ce soit en serré et en large. Des sensations toutefois différentes. Mais chaque mon avant-bras travaille bien et il apprécie le mouvement. Donc, j'utilise les deux dans ce programme-là. Juste après ça, le dernier exo pour finir, le finisher, le meilleur exo. Tu prends ta barre Z, tu fais 10 séries larges, enfin larges à hauteur des épaules. Et à la fin, tu fais 15 séries serrées. Bon, ça va vraiment te tuer. Là, comme tu vois dans la vidéo, mon mouvement, il est pas correct. Mon mouvement, il est bizarre vers la fin. Mais tu vois, ça fait partie de la musculation, se dépasser. Et en muscu, tu peux pas faire tout le temps des mouvements irréprochables. Au-delà d'un certain effort, au-delà d'une certaine charge, t'es obligé de vaciller un peu, de t'aider d'autres muscles. Sinon, ben, tu lâches la barre et voilà. Le travail n'est pas pareil. Mais toutefois, essaye d'améliorer ton mouvement, essaye de garder le dos droit et être le plus droit possible. Mais si tu peux vraiment pas, si tu vois que c'est chaud, bah aide-toi et gigote comme je le fais dans la vidéo. Donc voilà, c'était une petite vidéo, on voit tous 6 packs encore. Là, c'était le problème biceps à la maison, comme je t'ai dit. Hein. Là, il fait très chaud encore et je dois m'entraîner le soir. Là, je vais voir si je vais pas aller à la salle pour faire un leg day, parce que hier, j'aurais dû faire les jambes, mais j'ai pas pu les faire. Donc, je vais voir ça, j'essaie de te filmer ça d'ailleurs. Je vais voir si je peux te faire une vidéo comme je te l'avais dit et promis. Hein. Et puis voilà. Sur ce, je te dis prends soin de toi et à la prochaine.